Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou? Écoute, ça va très très bien et toi? Ça va très très bien, j'ai essayé de te bait sur le salut à tous, Non, mais j'ai acté que c'était pour toi. tu n'as pas été bait, c'est très très bien. Aujourd'hui, c'est Mikfood, deck que j'affectionne particulièrement et qui a été choisi largement par les joueurs Pour les joueurs du MDL, ouais. Mythic Championship 5, decklist qui est très très sexy grâce aux 4 boîtes dédaigneuses. On l'a déjà présenté la semaine dernière dans une vidéo, enfin, on présentait plein de decklists, dont celle-ci. On a fait la Expliquer petite pourquoi modif du la coup carte a été choisie. Ouais. du château de Garenbrig par rapport à la forêt pour ceux qui ont déjà vu. Le principe est très très simple, avoir beaucoup de moyens de pression tout en générant, tout en ayant de la disruption, que ce soit avec Oko, botte dédaigneuse, de la gestion avec méchant loup et de la ressource avec Krasis Hydroïde qui permet de remplir la main. Avant de parler de la deck tech, n'hésitez pas à faire un petit tour sur YouTube si vous voulez nous soutenir. Quelques secondes de votre temps, c'est complètement gratuit. Et nous, ça nous rémunère un petit peu, donc merci à tous ceux qui passent par là. Ceux qui veulent nous soutenir peuvent également aller sur le site de Magic Bazar et utiliser le code VALEPL2019. Pour tout achat supérieur à 10 €, vous aurez un booster en cadeau. Et pour tout achat supérieur à 50 €, vous aurez 3 boosters en cadeau. Ce code n'est valable qu'une seule fois pour les nouveaux clients. Tous ceux qui ont pu tricher un petit peu et se servir du code plusieurs fois, et ben sachez que maintenant ce n'est plus possible. Magic Bazar s'en est rendu compte et veille au grain. Et du coup, n'essayez pas de nous soutenir de cette façon, ça ne marchera pas si vous créez d'autres comptes. Voilà, ça ne nous soutient pas. Mais merci en tout cas à tous ceux qui l'ont utilisé déjà. La Merci beaucoup. decklist, assez simple, hein. On a des rampeurs, Wador, Druidesse du Paradis pour essayer de faire Oko tour 3 ou bien Tour bête de 2 même. quête, Oko tour 2 ou bête de quête tour 3. Ou les deux. Il est ou les deux. C'est plus dur, mais ça se fait. Ouais. Si ton doigt survit, c'est Si ton possible. doigt survit, ouais. Il était une fois qui permet donc de maximiser nos chances d'avoir Oko ou bien de faire Oko tour 2 ou bien bête de quête tour 3. Bottes dédaigneuses qui répondent très très bien au méta, puisque la plupart des spells impactants coûtent 4 ou plus, notamment contre Golos. C'est vraiment un prédateur de Golos ce deck-là. La bête de quête également qui est très très forte contre Golos. Méchant loup qui est une superbe réponse. Et vu qu'on joue Oko et Wador, et ben c'est quelque chose qui va résister au Vras, qui va résister un peu à tout contre vents et marées et qui gère à peu près tout dans le format, à part une énorme bête. Bon, C'est un c'est très bon plus dur. Chupacabra pour ceux qui ont connu le standard précédent. Exactement. Nissa, celle qui fait trembler le monde, permet de mettre la pression également, puisqu'elle peut arriver tour 3 potentiellement, donc ça c'est cool. Et la Krasis Hydroïde, quand vous avez Nissa et que vous jouez bleu-vert, ça vous permet de piocher des cartes, de mettre la pression. De vraiment d'avoir un second souffle. Ça permet d'être quand même un petit peu ressourceux contre les match-up Ouais. mid-range qu'on délaisse un petit peu avec cette decklist-là. On a quand même les Krasis pour essayer d'aller chercher des bonnes cartes. Exactement. Donc c'est plutôt Deck bien. list rapide à présenter, hein, puisque toutes les cartes en Ouais. x4, très carré. Quand même des choix importants à spécifier. Pourquoi les gens ont préféré jouer Simic que Bant? En gros, le plan de jeu Possible. des versions mid comme ça, c'est comme on l'a dit, pression-disruption. L'outil de pression dans Bant est le même que dans Simic. Par contre, l'outil de disruption dans Bant, c'est plutôt adjointe aux détentions. Alors que là, dans Simic, c'est plutôt botte dédaigneuse. Ça te permet d'avoir une mana base plus solide, de jouer un château de Garandring et d'avoir Temple du Mystère que de jouer botte dédaigneuse. Moi j'aime plus, je préfère Bant parce que, alors peut-être que c'est un chouïa moins stable contre Golos, mais par contre vous avez un side qui est un peu plus adapté, on le verra après que le side souffre un petit peu de la disparition du blanc. Et donc c'est pour ça que du coup le côté de disruption qui a été choisi pour ce simic, c'est les bottes dédaigneuses. À méditer si dans un Bant il n'est pas possible de jouer la tech botte dédaigneuse en gardant les adjointes et le side de blanc. Ça on poussera le concept un peu plus tard. Effectivement, on n'oublie pas de changer, surtout Le petit dos de le carte. petit dos de carte. Et passons maintenant au side, Au petit side. tout le suite, voyons. La réserve, donc les deux voiles d'éther, les trois rafales d'éther, on ne les présente plus. Voilà, quand vous jouez du bleu, du vert, vous avez envie de jouer ces cartes-là qui sont très très fortes dans le méta. Dispute mystique, c'est fort en mirror et c'est fort contre beaucoup d'autres decks parce qu'il y a beaucoup de decks qui jouent du bleu. Bête frappée d'amour, ça répond bien au deck agressif. Ashiok, c'est une solution comme une autre contre Ashiok, une manière de disrupter plus, mais c'est pas non plus MVP. Si vous Ouais. rencontrez typiquement beaucoup de Simic Flash sur le ladder, vous pouvez délaisser un peu Ashiok pour rentrer quelques Ceratops. Et Ouais, Hydrovoras, largement même. x4, qui va être un outil de gestion et un outil de pression en même temps. Donc carte intéressante, mais pas intéressante dans tous les matchs. Contre Golos, on s'en fout par exemple. Ça Donc. vous permet de rentrer un petit peu plus de cartes qui vont répondre, qui vont être de l'interaction, parce que le main deck, en fait, à part les Wicked Wolf, n'a à peu près aucune interaction.
Et vous pouvez avoir un petit peu de mal contre les decks agressifs. Donc voilà, c'est pour ça qu'on rentre ces hydres et ces bêtes frappées d'amour pour pouvoir avoir des plays réactifs, tuer les créatures en face et souvent clore la game avec une grosse crasis derrière, quoi. Exactement, on va partir en game tout de suite. Yes, deck, c'est parti. Deck ultra rapide, mais en même temps le deck est simple à présenter. Bah, il est carré solide x4, c'est le deck qui a été un petit peu buildé par la Team Channel Fireball avec William Jensen, Shahar Shenar, Gabriel Nassif qui a dû train avec eux du coup. Il y a Red Duke aussi qui a ramené cette version, il y a Kai Boudet qui a dû aussi train avec eux. Donc voilà, il y a beaucoup de joueurs MPL, je crois que c'est la decklist à part Golos qui a été la plus plébiscitée par les joueurs MPL. Je pense 16% que c'est, de gens. Voilà, je pense que c'est une decklist qui est adapté vraiment spécifiquement à Golos. Sur le ladder, il y a quand même plus de decks aggro. Je dirais qu'il faut au moins retoucher un tout petit peu la DL, tu vois. C'est bien cette main. C'est une très bonne main. Très bonne main, on a de la rampe, on a Oko, méchant loup, Nissa. Enfin, les très bonnes mains, elles ont Once Upon a Time et Wador, mais. Ouais, mais on est bien. Quand même. Mais c'est une bonne main. On va regarder ce méchant loup. Enfin, on sait pas ce qu'on affronte et méchant loup contre Golos, il est pas bon. Forêt ou Wador. Ah, lui il est meilleur que nous, tu vois. Il est fort en pomme. Il fait la même chose mais en mieux. On lui propose une petite forêt, une petite druidesse. Ouais. Et tour prochain, on pourra méchant loup ou bien Oko. S'il ne joue, s'il joue pas Oko. Pas Oko, on pourra tuer son Wador. Yes. Et il ne le joue pas. Il joue Temur Planeswalker. Visiblement. On devrait avoir le match-up contre ce deck là. Parce que nous on joue des Krasis et des Nissa alors que lui ne les joue pas. Là je vais développer méchant loup, je pense. Gérer une noix. Ouais. En fait, si je me prends Sarkhan ton prochain si j'en tue pas une. Ok, c'est pas mal. Où je peux mettre le château. Je peux mettre ce château là, faire méchant loup sur les oies. Celle-ci, ça change pas grand chose. Yes. Voilà, bon, ça va avoir un early game de mirror match, mais le late game est pas le même quoi. Lui il est beaucoup plus agressif que nous. Il peut jouer méchant loup et. Et tuer le nôtre. Et tuer le nôtre parce qu'il y a deux tokens food. Bah, c'est ce qu'il fait. Bon, il doit perdre ses deux tokens food. Et nous, on va mettre une Nissa tranquillou bilou. Tu vas pouvoir rentrer 3 points. Ou je peux mettre Oko et gérer son méchant loup. Ça se fait aussi. Tu le gères comment son... Enfin, je le transforme en 3-3. Il pourra plus le rendre indestructible. Il deviendra 4-4, quoi, ça le problème. Ouais. Pas très. Je préfère Nissa ici. Ouais, là, disons que tu t'offres un. Est bien plus intéressant. Tu t'offres un top deck Krasis létal. Cool. Ouais. On va mettre 3 points. Je garde mon bleu au cas où. Ouais, mais est-ce qu'il fallait pas donner Garand Ring si jamais tu veux t'ouvrir Nissa? Ça te fait le même nombre de mana? Et non, sur Nissa, moi je donne Garand Ring, je pense. Ah, peut-être qu'il fallait. C'est kiff-kiff, je pense, mais. Et là, on avait fait, je suis toujours tendance à les garder, mais. C'est pas forcément le cas. C'est vrai qu'on y pense pas, mais en fait, c'est un effet de rampe et Nissa. C'est très fort, là, il nous tue Forêt et Nissa dans le même tour. Ouais. Très très fort. Oh, je prends pas le mana, j'ai rien à jouer. Il est bon, hein? Ouais, il est très bon. Il était pas obligé de faire cette sortie. Rien ne l'obligeait. Bah, non. Là, on a une bonne pioche, c'est bête de quête. Après, on va aller tuer son Domri, donc on est pas mort du tout hein, ici. Hein. Non. On tue plus Domri. Parce qu'il a vraiment tout. Bah là, tu peux faire Oko, il était une fois. Ouais, je crois que c'est le mieux. Ouais. Devant faire, il était une fois. Yes. Si je compte le faire. Maintenant. Méchant loup. Même si il n'y a rien de reluisant. Oko. Et plus 2. Et C'est vraiment deux, histoire d'économiser nos pèves. Plus 2, j'économise 6 pèves, mais sinon, je gère ça. Hein. Okay. Ça reste une 5-4, mais au moins, il peut plus le protéger et. Et je peux peut-être faire quelque chose avec mon méchant loup du coup plus tard. Parce que là sinon c'est juste ingérable et je vais finir par perdre quoi. Ouais, ok. Je pense qu'il vaut mieux trop transformer dans ça. Dans tous les cas ça revient au même et vu que tu vas donner Oko derrière, c'est mieux de le transformer en 5-4. Ouais. On va faire 6-5. Ouais. Mais ça va s'arrêter là. Ouais. Excusez-moi de pour la toux. Donc là, on perd au coup, on prend 2. Ok, là, typiquement, c'est le match-up où on voit un peu plus d'interaction, quoi. Vraiment, j'ai l'impression que ce deck-là, si tu tombes pas sur Oko, c'est un peu chiant. Si tu tombes pas sur Golos, pardon, c'est un peu chiant. Ouais. Ouf, ouais, il fait vraiment une très belle sortie. Sur combien? Sur 12 cartes. Ouais, moi, c'est la fin de la récolte. Très, très beau. Ouais, là, je pense que c'est terminé, parce que la bête des quêtes va instant gérer Oko. On va prendre même 11, si tu 12, top 13. Deck Krasis, tu fais pas de value.
pas assez en tout cas. À 8, il n'y a pas d'agacement alors. Ouais, il voulait pas qu'on aille qu'on ait une gestion pour bête de quête, ouais, et trade c'est dans, terminé, là. Dans Dambry. De toute façon, même avec une Crasus, c'était terminé, mais. C'est ça. Sait-on jamais. Ok, on va passer à la 2. On s'est fait avoiner sur celle-là. Atomisé. Après, grosse sortie en face, hein, vraiment. Ouais. C'est dur de faire mieux. Ouais, jouer des rafales d'éther, je pense. Rafales d'éther, c'est très bien contre lui. Ouais. Dispute mystique, ça ne contre pas grand-chose, à part Oko. Mais moi, j'aime pas trop. Je sais que dans une autre vidéo, il y a un mec qui a essayé toutes ses disputes mystiques contre nous. Après, c'était un deck qui voulait jouer que des contres. C'est un deck semi-clash. Ouais. Hydrovora, c'est ce que j'ai envie de l'avoir. J'en jouerais bien 2. Je peux en rentrer 2. Je jouerais pas 4 bots, j'aurais que 2 bots vu qu'on a des rafales d'éther. Ouais. Parce qu'au fait, ça contre pas son early game et lui, il a genre 15 plays à 3 mana, ouais, qui prennent pas bots, quoi. J'enlèverai, il était une on fois. On va commencer, j'ai rentré un seul. Ouais, bah tu veux maximiser tes chances de faire des grosses sorties. Quand j'en joue 3, j'en décide un et je passe à 2. Quand j'en joue 4. Je pense que je vais enlever un méchant loup dans le match-up, c'est pas ouf du tout. Il joue des Planeswalker donc. En fait, ça tue bête de quête. Ça tue bête de mais, quête, mais ouais, si j'ai fait Oko avant ou j'ai fait une Noix mais que je veux qu'un Non, t'as raison, ça se. Et. Soit un autre méchant loup. Bête de quête est trop bien contre lui. Surtout sur le play. Soit un méchant loup, soit. Ouais, je crois que méchant loup, en fait. C'est ça que j'enlève. J'ai rentré 2 hydres. Ouais, je crois que t'as raison. Ok. Ça rend pas très fort contre lui. C'est pas du tout optimisé pour battre ce deck là. Non, bah. On prend une decklist là qui s'épanouissait. Dans 50% de Golos. Dans 50% de Golos, donc forcément. Si on n'affronte plus. D'ailleurs, on vous savez ce qu'elle a fait au Mythic Championship alors exactement. Que nous, non, parce que cette vidéo est tournée avant. Si, on sait qu'elle a gagné. On pense. On espère. Non, c'est la version bande qui aurait gagné. Très bien. Faut qu'au tour 2. Ça, deux. C'est une très très bonne main. Et lui, à moins qu'il ait sidé des Mystical Dispute, il ne nous empêchera pas de rien faire. Du tout. D'ailleurs, double tu fais mulligan. Mieux qu'au tour 2, tu fais bête de 4 tour 3. Dans au tour 2. Si, pioche en main. Oh merde, vrai. Ah, bah tu m'as joué. Quoi. Bon, on mais a le temps. Si je pioche en main, je fais ça et là. Voilà, on a le temps. Mulligan à 5. Petite Wador. Wador. Sachant que j'adore l'interaction de Nissa bassin d'élevage quand t'as botte dédaigneuse. Parce que plein de fois, t'es là en mode ah, si j'avais un bassin d'élevage, nanani. Ouais, ça m'arrive aussi. Ouais. Et ben c'est bon, il est là. On peut le faire. Et il a pas dispute mystique. Donc voilà, il se prend au coup tout de suite. Ouais. Ah, il était une fois pioché un poil tard. Instantanément le Oko qui arrive, qui touche le board et qui recrée un token pour pouvoir maximiser les chances de faire de quête, pardon. Je tourne nourriture et fin de tour. Croissant. Sachant que là, le tour d'après, si, vu qu'il a, enfin, s'il a pas d'outil de rampe, bête de quête avec bot up, c'est victoire. Ouais. Pression, disruption. Paf paf. Blessé. Nissa avec bot, tu veux dire. Bête de quête qui est résolue. Ah, et tour nous, derrière, on a bot dédaigneux, ça suffit déjà. Allez, un petit land. Ah. Du coup, c'est vachement moins pressurisant là ce qu'on on fait. On est content d'avoir bot dédaigneux par contre. Là, tu fais. Si je suis content d'avoir bot dédaigneux, c'est-à-dire que je ne fais rien. Bah, je pense qu'il ne faut pas descendre druides pour éviter de te prendre toi bête de quête dans ce spot là. Ok. Alors, du coup, je vais faire juste une 3-3 et j'attaque. Je pense que tu fais juste une 3-3 et t'attaques effectivement et on garde bot dédaigneux up. Et si j'avais un bot dédaigné, je pourrais faire hit it une fois pour trouver un land. Ouais. C'est il y avait aussi un play de faire hit it une fois, je trouve un land. Sauf que si je trouve pas un land dégagé, je me ferme tout quoi. Ouais, non, non, le vrai play safe c'était celui-là et de garder il était une fois au bot dédaigneuse. Ok, c'est étonnant. Mais cool. Bah, il a pas trouvé son 4ème mana et il y a Oko. Il peut pas gérer Oko. Voilà. À Oko, c'est punitif. Hein. D'ailleurs, je le dis, si jamais lundi soir il y a eu un ban qui est le ban de Field of the Dead, Wizard serait des fous de ne pas bannir Oko dans la même veine. Ah ouais? Ah, je le dis, si tu bannis Field of the Dead, je prédis le même pourcentage de. La surpuissance d'Oko. Bah, bien sûr. Bon, bon, bon. Bah, bien sûr. Comment? Non, j'avais envie de faire ce bruit. Comment faire mieux que ce que fait Bant et. Oh, ils feront des Planeswalker à 2 mana qui arrivent à 15 marqueurs l'OET dans la prochaine extension. Ouais, mais bon, faut attendre jusqu'à la prochaine. C'est bon. Je joue à Mulligan, ça, c'est pas très bon. C'est mieux. C'est pas ouf, mais. Ça va. Il était une fois dans Druides dans Disruption. Ouais. Franchement, il y a des mains à 6 que je garde qui sont moins bien. Hein. Ah, s'il nous fait la sortie de la une, bah t'aurais une botte. On va bien tanker quoi. Ouais, c'est vrai.
En tout cas, tu descends pas à 5 avec cette valeur. Non, non, c'est une main à Ça, garder, c'est le problème, quoi. mais il y a des meilleures mains à 6. Bonjour. Allez. Allez, à marron sneak. Il a gardé une main à 7 et il se dit, ah, j'aurais pas dû. Oh, Oh. main à 5. Il y a des problèmes de mouligané, La hein. tricolorité qui punit. Souvent, j'ai envie de faire ça en réponse, alors que c'est pas bon. Non. Mais j'ai envie, tu vois, il me fait un spell à 0, j'ai envie de dire, mais moi aussi, je fais. Ah, s'il fait tour 1 oua. Sœur, c'est Ça pareil. pue, hein. Après, bon, il a deux cartes en main, là, donc. Il suffit que ça soit la bonne. C'est sûr. Ah, on a la réponse. Bah, trop tard, hein. Est-ce que je vais chercher loi ou pas? Ouais, parce que tour 2, t'as un play en fait. Donc. Non, elle s'appelait Title. Bah là, j'ai 3 landes, donc On je va crois que je garde chercher bête de la quête. bête de 4, ouais. Puis contre lui, c'est top quoi. Ouais. Passe Passe-moi le tir. main de tir, c'est vraiment pas mal. Bon, si on prend Oko, ça va chier un peu. Ça va un peu chier. On a Rafale. On a Rafale qui permet de gagner un tour. Est-ce que je rafale ou est-ce que je reste juste bot up là? Je crois que tu veux rester bot up. Après, s'il enchaîne par bête de quête, il avait la meilleure main à 5 du monde. Donc je. Fait, là il peut faire qu'un food donc je peux passer Ah, t'as pas encore. envie de faire druides et bête de quête le tour d'après en fait? Ouais, peut-être que c'est mieux. Sachant qu'avec une main à mana, je te dis, s'il nous fait bête de quête, ou qu'importe quel Alors, autre Mulligan à play. 5, Ouais. je fais tour 1 pêcheur, tour 2 Oko, Tour 3 tour bête de 3 quête, Jaquette, trop moi fort. je le mange quoi, je lui croque Ah, mais l'oreille. tu peux dévorer ton adversaire. Voilà. Le juge, si c'est une partie Bah tu lui dis avec un bah il a juge, fait il va dire, ça, mais dévorez-le. mais c'est normal, C'est bien sûr. normal. Ok, cool. Bah, bête de quête, hein. Questing list. On va mettre là. Préfirme. Est-ce qu'il a eu son Attire. interaction? Il l'a eu. Bien joué. On va prendre 6, passer à 8 et perdre cette partie gentiment. Sur un mulligan à 5, Ça voulait bien parfait. ça être adversaire, mais voilà. Ça illustre bien ce que tu as dit, hein, au tour 2. Ah mais c'est vraiment, hein, bannissez Champ des Morts, mais ne bannissez pas Oko, et vous ouvrez les enfers du standard. Et si on bannit Oko, mais pas Champ des Morts? Bah, c'est aussi, c'est C'est pareil, c'est le pire. même enfer, quoi. Il dit non, on veut vraiment que Champ des Morts gagne tout. Ok, bah écoute, c'est très mauvais ce qu'on peut faire. Oh, ça va, t'as. Ah, attends, ça touffe Krasis là. Ouais. Mais non, si je meurs, si je fais ça. Donc je suis Non, obligé parce qu'on a d'enlever. Rafale des Terres là. Je vais faire ça sur un Attends. land. Sur Sur son une token? bête, pardon. Sur son token, non? C'est une question. Sachant que Ouais. lui, il peut pas faire 3-3 avec son Oko là. Ouais, t'as raison. Je me dis que là, sans ça, on est foutu quoi. Je me dis que l'ascenseur, Il est foutu. il est foutu. Il est en panne. Petit token food. Et il a bien raison. Ça sert à rien de gérer Oko, c'est bien. Si Bah, on ne le gère pas définitivement. il faut. Il va falloir en tout cas. Il va falloir Un péter rafale l'homme. là-dessus. Rafale Lévi. Non. Ah, presque. Ah, on Je peut. prends 3. Je sais pas, on peut même rafale fin de tour au cours en vrai. Ouais, il le repioche, il le rejoue quoi. Fin de tour. On le Oui, rafale à la mais. fin de ce tour. Ah, Ouf. vas-y, donne-moi un truc s'il te plaît. Ah, donne-moi à bouffer là, j'ai faim. C'est bien ça. La botte. Allez. Du coup, on va rien rafale du tout. Ouais. Par contre, il est trop bien, lui. Ça Il fait ses petites est cartes. trop fort. Oh, il pioche une carte. On vit ou pas? Attends, t'en comptes, hein, quand même. Parce que là, on passe à 3, on 3, repasse à 2, on repasse à je 5. passe à 5, j'en bloque 1, il me met que 3. Il a aucun autre. Ouais, il a des top decks après, mais. Après, il faut qu'il tape deck à son là. Ouais. Si on fait pas Vas-y, ça, vas-y, ok. on prend Non, mais juste je voulais trop juste cher. quand même compter et qu'on se nique pas tout seul, tu vois. Ça serait triste. Déjà parce que c'est un moment à partager. Oui. Déjà. Mais là, double land, tu es content là. Super. Yes. Ouais, il va nous mettre Mais à la 2. pression. Ah, bah bien joué. Voilà, Ouais, bien joué. tu peux concede. Eh bien, il était fort, lui, l'adversaire. Bah ouais, en plus, lui, il est 1100. Tu vas voir le dérang qu'on prend là. Voilà. Sans place. Sympa. Plus Mais. même. 140 places. Non, on est passé de 194 à 313. Ça fait Ah, 120 places, 120 pardon. places. Clyde the Glide Drexler. Il est 85e. Mais il est bien. Ah, lui, si on le bat, on reprend tout ce qu'on a perdu. Hop, hop, hop. T'as Temple du Mystère.
Je trouve cette main nulle à chier. Non, mais elle est pas bonne. On va Si sûrement la on mouliner. sait qu'il y en a en face, par contre, ça se garde. Si tu affrontes Golos, tu peux garder cette main. C'est pour ça que j'y réfléchis, mais vas-y, mouligan là. Ah, mieux. Ouais. On va aller chercher. On va enlever Nissa. Nissa. Yes. Allô. Non, pas besoin. Bah si, tu peux t'ouvrir Wa, tu vois. Comme ça, tu fais Ouais. Nissa à tour 3. Oui, on Franchement, il n'y a marque. que dans Golos que tu délayes, il était une fois tour 2. C'est très rare de. Bon, je vais prendre Rudess. Non, parce que tu peux pas faire Nissa là. Si tu... Enfin. Oui, si, en fait, si gère pas tes druides. Ouais, vas-y, prends Druidess en fait. Si t'as On pas le a temps de que l'engager pour ton Nissa, mana. il faut que ça monte là, mais c'est possible. Déjà, il joue Faudrait vert. faire le collector. Ah, il était une fois. C'est un peu bête de faire il était une fois après avoir posé le land. Innkeeper. Ouais, c'est que je pense qu'il savait exactement ce qu'il avait besoin de trouver. Bah, Druidess. Druidess. Pas de P. Bah, pareil, ça va pas être facile s'il joue la version midrange du MC. Oui, il va piocher lui. Pas tout de suite. Dans le ministère, Tente, très bien. Druidess. Non. Non, ça on veut pas du tout. Là on veut vraiment Krasis. Mediaspan. J'ai peur de Legion Zen donc j'attaque pas. Mais sachant qu'il aurait jamais bloqué, ça Ouais. aurait pu être 2 points gratuits. Ouais, mais comme tu dis, tu prends juste une gestion. Ah, il joue avec du rouge. Ok, je suis satisfait là, tu vois. Ça me fait du bien qu'il ait C'est montré du rouge. intéressant. Il y a un Trakos. Ok, il pioche 2, il met une 4-3. Qu'est-ce qu'il peut jouer d'autre en aventure rouge à part le chevalier nain qui est joué dans pas Alors mal? on a Krasis, le problème là, c'est que si je pose Nissa. Non, elle est pas morte, ça va. Ah, attends, est-ce qu'il peut avoir des interactions qui la tuent? Parce que là, si tu poses Nissa, tu descends en 3-3, tu bloques le géant, tu prends 2 des taverniers. Il faudrait qu'il trouve 4 points de dégâts supplémentaires. En fait, je me suis dit sur gestion, j'ai perdu ça. Mais vu que j'ai Druidess, il peut pas gérer ça. Donc je peux au moins bloquer et Ouais. garder Manissa un tour de plus. Et je vais faire plus 1 sur Temple. Ouais, tombe du mystère. Comme ça, lui, tu peux largement le trader dans Géant Krakos et avoir une hydre J'attaque ou pas? d'une franche qualité. Je crois, hein, si s'il veut trader avec Géant Krakos, ça t'évitera toi de S'il le fait. faire. Ouais, mais s'il fait bête de quête derrière, je suis pas content. S'il fait bête de quête derrière, t'es effectivement pas content. Mais en vrai, même avec bête de quête, il tue pas Tanissa derrière. Hein. Bête de quête, j'en bloque 1, elle est à 1, ouais. Ouais, ça se Est-ce que tente. ça vaut pas le coup? Ouais, c'est juste. Absolument. C'est fait quoi. C'est fait, c'est plus à faire. Ouais. Et s'il fait bête de quête, bah déjà il est fort. Déjà, il est fort. Et nous on va pouvoir faire une grosse Donc, je crasis. prends un tavernier du coup. Je suis même pas sûr qu'il le tente, le coup du tavernier. Il réfléchit. Oh, il y va. Ok, bon vas-y. On lui prend un tavernier. C'est même presque warp vu que nous on a un outil de value et nous Ouais. on lui en coupe un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On fait une grosse, grosse Ah, je fais Krasis la là. plus grosse de tous les temps, je pense. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, c'est bon. Tu l'as fait à 10 pour pouvoir poser une oie d'or. Ouais. J'avais pas besoin de faire ça. C'est automatique. Je tape une forêt. Ouais, et tu laisses la druidesse dégager. Choisis ça à 8. 8 et on est bon. Ouais. Paiement auto. Ah, c'est bien ça. Et on trouve l'adore bien joué. Bon, je la pose, non? Oui, après, non. Ouais, non, je crois qu'il n'y a rien qui t'empêche de. Vas-y, pose là. En fait, la 2-1 me permettait de trade ça, mais il attaquera pas avec. On Et au t'attaquera pire, je pas avec. tankerai Non, avec c'est ça. ça. 8-8, je crois que s'il m'attaque avec la bête de quête, je laisse juste passer. Non, parce qu'il tue Tanissa. Et toi, tu veux refaire une grosse Krasis. Ah ouais, j'ai pas envie juste de beatdown là, parce que lui il ne gère pas une 8-8 à mon avis. Le problème, c'est que je sais pas ce qu'il joue. Si je suis persuadé qu'il joue Gruul, je suis d'accord avec toi. Mais il peut être June de très contrarié. Et il serait très Il contrariant. serait vraiment très mal sorti, hein, mais. Après là, il peut juste attaquer avec Blade of Cage, bloquer avec Krasis, et il fait géant sur Nissa. Et j'ai plus Krasis, plus Nissa. Je suis d'accord. Et je suis Non, vraiment il joue pas Gruul, bien. il joue Gruul, t'as raison en fait. Tu peux laisser passer. Enfin, franchement, si je joue pas le collector dans le jeu d'aventure, je comprends plus Magic, tu vois. Ouais, je bloque pas. Hein. Enfin, à quel point t'es sûr qu'il a géant? Non, mais t'as raison, Et en fait, il peut c'est. avoir Domrise Embûches, géant, T'as raison, choc. c'est safe play.
On va acter qu'il joue Grull et que du coup notre choix est bon. Il a plein de façons de gérer ça, mais peu de gérer ça. Mais peu de celle-là, ouais. Il a plus d'amrise en bouche pour celle-là. Puis on peut refaire une Krasis là. 2, 3, 4, 5, 6. X égale 4 ou X égale 5. Ouais. X égale 4 on plutôt. La fera... non, parce que tu prends Lava Coil, donc tu la fais à 5 si t'as le pouvoir 2. Je peux, ouais. Il faut juste que je pète le token avec. Il avait l'interaction. Donc on l'a bien joué. C'était bien vu ça. Ah, ça c'est bien vu ça. C'est l'œil. Bien vu l'aveugle. Et il joue quoi lui? Tu joues quoi, Clyde the Gleed? Explique-nous. Plein de choses. Bah, en vrai, je joue Grull Adventure. Comme quoi, on aura tout tenté dans l'aventure. Non, pas Dimir. Bah ouais, y a pas les mêmes temps. Ça va être dur. Ah, c'est pas mal aussi ça. Est-ce que c'est mieux qu'une grosse Krasis? En gros, tu proposes une grosse phase d'attaque là. Je crois que tu vas faire. Oko, rendre bête de 4-3-3, c'est sympa aussi. Hein. Non, mais en fait, je vais prendre, mettre une grosse Krasis. Et si t'as pas de gestion ni pour l'une ni pour l'autre, t'as perdu. Il faut que t'aies collision Colossus sur celle-là, sinon il est perdu. C'est pas mal, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, parce que j'ai plus la druidesse. Donc maintenant, il peut la gérer avec Étreinte de Love. Mais est-ce qu'il les joue main deck? Je sais pas, je connais pas sa decklist, mec, c'est horrible. Je pense que je tente une Krasis 4-4 et s'il a pas de moyen de gestion, bah, il a perdu. Et il me tuera pas là. Ok, il pioche deux cartes sur, sur son géant. Ouais, ouais, mais ça lui coûte 3. Ok, vas-y go. Donc j'y vais avec ça déjà. Le peuple barbare. Et je fais une grosse Krasis. Ouais. Au pire, ça me fait gagner des pêches, piocher des cartes quoi. C'est, oui, ça c'est jamais toujours, mauvais. C'est toujours worse, hein. C'est pas un mauvais play, c'est juste qu'on on cherche le meilleur là. Mais c'est probablement le meilleur ici. Je misclique, je crois que les hitbox sont un petit peu coquines. C'est ton aim qui est pas bon. Peut-être aussi. Et encore une fois, Krasis fait bien piocher des landes. Ouais, mais c'est pas grave, c'est des landes que tu pioches. Là, c'est là. Pas son but. Voilà. But. Oh, ça serait énorme qu'il regarde attends, ça. Attends, s'il joue au Humbercleave, est-ce que j'ai pas perdu là? Et qu'il fasse en mode. Ah, je crois que j'ai perdu sur Humbercleave. Avec bête de quête, il te met 1, 5. Il attaque avec tout. Du coup, il met 10, 11, 12. Non, parce qu'il peut pas collision 13, Colossus. 14. Donc c'est bon. Il peut te mettre 14 avec Humbercleave. Hein. Comment? Si l'attaque avec bête de quête, elle est 5-5, c'est ça? 5-5. Avec Humbercleave. Donc ça fait 10 points de dégâts et moi je le bloque un des trucs. Il met 10 points de dégâts, t'en bloques. Ah ouais, t'en bloques 1. Ah bah il te met 12, il te met pas 14. Non, c'est bon. Non, parce que je pensais à collision Colossus et Humbercleave, mais il faut 3 mana rouge. Donc là, c'est 3 cartes, faut que ce soit mana rouge, collision Colossus, Humbercleave. Oh gros, je bande s'il fait ça, gros. Ça sera bien joué. Je trouve ça incroyable. Ah, il a pas posé, donc c'est pas possible. On va tuer un tavernier. Ouais. Ou quoi, il y a des trucs à 3 ou pas? Parce qu'en vrai, même si je laisse passer, je suis pas mort. Non, mais c'est gratuit. Ah, des trucs, des spells de gestion à 3? Ouais. Bah, non. Là, et par contre, il peut avoir Colossus sur tavernier pour trade ta Krasis, mais on s'en calque, quoi. Time Brain. Sur tavernier. Pour gérer Krasis. Ok, ouais. C'est bien joué. On a mal joué. Ouais, je sais est-ce pas, qu'il hein. Est pas mort, là? Quand même. Je sais pas si on a mal joué, si on laisse tout passer, on n'est pas mort sur Time Race. Non, on est pas mort. On prend. Ah, on était pas mort. Non, on a mal joué, peut-être que ça nous coûte la game là. On va voir. Mais attends. Ah non, on a Oko, on peut gérer Time Race. J'ai rien ouais. Ah, et jouer ça aussi, il est vraiment très coquin lui. Il est bizarre son deck, mais. Mais je te l'ai dit qu'il jouait le nain comme ça. Si j'attaque avec ça, ça et ça. Non, on n'a pas l'étal. En fait, tu peux pas jouer à la fois bête de quête et Oko pour gagner. Non, ça, ça et ça. Ça suffit pas il non plus. Il va bloquer, on le met à 1. Non, il faut que tu fasses Oko, vérifie que tu peux bien transformer son artefact en 3-3. Oui, je peux, c'est un Arthos, donc... Artefact ciblé. Ouais. Je vais Oko, du coup. Tu fais Oko et tu gardes Wador pour... Mais non, il n'aura pas assez pour la fois créer un food et... Non, mais j'ai un Wador qui va me créer un food et qui va bloquer. Ouais, c'est ça. Et là, 8 points, du coup. Land. Attends. Il attaque avec tout. Et il met plus 2, il plus met 0. Plus 2 sur celle qui passe. Donc je bloque ça. Et genre ça, je prends 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est bon. Faut vraiment qu'il top deck très très bien là. Ouais, ça serait très difficile de perdre. Et nous, on est dans une position où on peut pas ne pas attaquer. C'est ça. Si top deck Humbercleave, on a perdu. Il en a une, il a pas pioché.
19 cartes, il est juste allé chercher son deck, on dirait un... Ah si, il a pioché avec Tavernier. Un Gruul qui veut faire plus de value mais qui rogne sur l'agressivité, célérité quoi. C'est intéressant. Il doit être un peu meilleur contre midrange du coup. Ouais, bah il fait les plus ressourceux en tout cas, mais un peu moins bon contre Golos. J'aime pas trop cette phase d'attaque. Elle te fait peur? Bah là, tourne pas autour de cleave. Hein. Si là, on a perdu dans tous les cas. En fait, faut pas que je bloque ça parce que c'est des touch. S'il la cleave, donc vaut mieux que je bloque. Ici. Là et là. La plus grosse ici. Et n'oubliez pas de créer un là, le 3, 4, 5. Bah, il nous tue sur cleave ouais. Comme ça. Dans tous les cas, s'il la cleave, il nous tue. Et s'il a collision Colossus, il nous tue aussi. Mais du coup, il aura quand même tout eu. Ah, il aura il vraiment en tout partie eu, quoi. Ce qu'on lui demandait. Hein. Ouais, ouais. Cleave, collision Colossus. Donc. Mais plus cleave. Il peut plus cleave. Il peut plus cleave. Mais il peut Colossus et gagner. Collision Colossus, ouais. Non, s'il te plaît. Clyde, s'il te plaît. Je rends pas ma journée. Le Clyde Drexler. S'il te plaît, sois cool. Please. Please. Et s'il l'avait, j'ose espérer qu'il l'aurait joué plus tôt. Attends. Ah, on est mort. Il y a 7 points qui passent, et là il y a 4 points qui passent, donc ça fait 11. Par contre, genre mettre 100 ans avec le kill comme ça, regardez, comme ça. Ça c'est très tiltant. Ah ! Non mais il l'avait, gros. Il avait tout ce qu'il fallait pour nous tuer, ouais. Contre lui, on veut les bêtes frappées d'amour, les Hydrogoras. Ce deck, il va jouer. Et la rafale des terres. Il va être joué au. Bah, mets toutes les rafales. Hein. Il va être joué au MC et il va être oublié instant. Ça dégage. Le deck qu'on vient de jouer en face. Ouais, mais même ça, ce deck là. Qu'est-ce qu'on enlève contre lui tout... bah, enlève les bêtes de quête, c'est moins bien que les méchants loups. Ouais, j'enlève deux. Enlève un Yeti une fois. Nissa c'est une, late. Une Nissa, ouais. Ah, il était une fois. On a passé deux Krasis, on a perdu cette game, je suis fou. Il y a des interactions à deux, donc est-ce que je cut une noix? Non. Peut-être un méchant. Enlève une Hydrovoras, non? Ouais, 3 hits, ça suffit, ouais. Je bilveuse, là. De... Ah, c'est bilveusant. Ouais. C'est dur, hein. Ben, c'est dur qu'il ait tout. Après, il y a des fois où malheureusement ton adversaire a tout et toi pas. Et c'est dur quoi. Après, encore une fois. Non, mais là le truc c'est que nous on avait tout ce qu'il fallait. Oui, c'est vrai. Non, mais encore une fois, si t'as 3 emprunteurs ou 4 emprunteurs à la place des 4 bots, c'est pas la même game. Ça aide un petit peu, ouais. Et ouais, je peux garder si je trouve l'oie. Ouais, c'est bon. Je suis bien. Et si on prend Golos et pas des mauvais match-up comme ça, bien sûr, ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça qu'on se rend compte que c'est vraiment un deck de tournoi et pas un deck de ladder. C'est en ça que je dis plutôt ça. Hydre là, on a déjà 3 landes. Ouais. Innovoras, bassin d'élevage. Puis on nous interdit vraiment au cotour 2 depuis tout à l'heure. Donc Ouais, on l'a fait qu'une fois, je crois. Et le mec a concède de suite. Je peux pas hydre. Non, tu pourras fin de tour rafale ou il était une fois selon ce qu'il fait. Ouais. En tout cas, il était très fort l'adversaire. Ouais, c'était. Parce que pour jouer un amoncellement de cartes pipe. Je crois qu'on va juste y aller une fois ici. Ouais. Krasis. Pas beaucoup d'accélération là pour Krasis. Hein. Après, ça fait Krasis à 4, mais on a déjà des Hydrovoras qui sont des plaies décents. Peut-être que le play c'est un land ou Druides. Plutôt forêt du coup. Ouais, je dirais quand même un land. Moi j'ai peur que tu vois, qu'on vienne en manquer quoi. Ouais. Ok, forêt Oko. Forêt Oko et le tour d'après on a Love Struck Beast qui va bien bloquer. On sent bien rien en 3-3. Non. Peut-être, tu peux avoir envie de transformer Tavernier, mais c'est pas le plan de jeu quoi. Si la collision, on perd Oko. J'en reviens pas qu'il est. Ah, je te sens dévasté là. Genre... Je trouve ça dévastant ce qui s'est passé. Ouais. Mais c'est ça Magic aussi, hein, quelque part. Des fois. Magic c'est dévastant quelque part. Non, que le mec est tout. Mais en plus, tu vois, c'est pas en mode. Waouh, on découvre, incroyable, il nous aurait tué. On sait, tu vois.
S'il a ça, il est trop fort pour nous. Et il a été trop fort pour nous. C'est ça, moi, qui m'impacte. Ok, bon, il C'est baisse bien Foucault, ça. Mais il la gère pas. Et là, tu fais méchant loup. Je crois que le pire, c'est méchant loup, je mets une 3-3. Tu Allô. Méchant loup collecteur ou tavernier d'ailleurs? Il y a un monde où en fait tu t'en fous et c'est tavernier que tu fais. Ouais, je gère tavernier là. Tu lui enlever sa pioche alors que là, enlever une de 2. Tu mets un 3-3, t'es sûr? Tu veux pas avoir double foot sur méchant loup? Je peux. Le truc, c'est qu'il peut faire juste une brise en bouche. Du coup, bah, je sac ça pour pas le perdre. Et il est engagé, je perds Oko. Alors qu'avec un 3-3. Alors que là, s'il y a en même temps de brise en bouche, non, il gère Oko directement. Ouais, c'est peut-être mieux de faire double food hein, alors dans ce cas-là. Ok, je tente. De toute façon, c'est pas perdu. Hein. C'est pas comme si t'avais passé ton tour à rien faire. Même s'il ouais. gère Oko, toi t'as ton loup qui. Il va être là, quoi. Il va être là, il reste et il attend les bêtes de quête patiemment, quoi. Et là, Dame Brise en bouche. Bien joué. Ça, c'est pas grave. Mais du coup, il attaque pas. Alors que là, si on avait fait ça, il avait une attaque en tradant une de nos deux bêtes, quoi. C'est pas mal, ça. Je crois que c'est ça, hein. Ouais. Surtout que tu gardes toujours un token pour répondre, donc c'est cool. Là, j'attaque, hein, j'attends pas la bête de quête. Il faut qu'il tombe des glandes vertes. Ouais, tu peux y aller de toute façon à part bête de quête. Il a pas l'air d'une créature célérité lui. Ouais. Pour jouer le pack Adventure, il doit scutter. Toujours pas. Est-ce qu'on fait l'enfer? Ok, on sera content de Rafale des Terres. Ouais. Ah, il a fait 5-5. Okay. Tu peux attaquer au méchant loup du coup. Je peux attaquer au méchant loup, ouais. Qu'est-ce que je vais faire là? T'attaques juste au méchant loup. Parce que si je fais Oua, je peux attaquer aux deux méchants loups. Et je pourrais encore faire un token 1-1 et avoir Rafale des Terres. C'est trop bien, t'as raison. C'est trop bien. Ouais. C'est toi le beat d'honneur là. On va mettre la pression. En vrai, rien qu'il nous en donne un. Enfin, qu'on n'ait pas à jouer Rafale des Terres, c'est winning play. Si jamais ouais. il trade là, on a gagné. Avec Rafale des Terres pour dire non à son prochain play. Ok, il prend 7. Okay. Et risque de perdre du coup au prochain tour. J'ai créé juste un token. Ouais. 1-1. Bah, normalement, il a. Perdu si on garde Rafale des Terres. Après là il peut utiliser sa mana pour gérer notre 1-1, c'est pas non plus énorme mais. Non en fait ça lui coûte 4 de faire ça, on est d'accord. Ouais c'est fatigué. Mmh. Bah, si on fait. En fait s'il fait rien, on peut faire Rafale des Terres fin de tour. Bon, il a un bloquant. On va tuer à l'hydrovorage, donc on a l'étal. Tu fais Rafale des Terres fin de tour, hydrovorage, GG. Non, parce que. Ah si avec la 1. Si oui. avec la 1 ouais. normalement c'est pile parfait. Rafale des Terres là-dessus. Ouais. Là par contre il va utiliser pour tuer la 1 et s'enlever. Enfin nous enlever le létal. Ok. Ouais. Ouais, il savait qu'il était plus. C'est vrai que c'était complexe quoi. Bah il allait reprendre une sauce à minimum 7. Ouais. Et lui sans la prochaine draw ça allait être ça. En fait la force c'est que soit c'est une gestion, soit on lui annule sa prochaine draw. C'est ça, pardon, pardonnez-moi. Go comme ça hein. Il commence donc on a rien envie de rentrer de SP. Non, j'ai l'impression. Peut-être qu'on a envie d'avoir. J'ai pas mauvais en vrai contre lui, mais on a déjà 3 rafales des terres. Donc... Ouais, ça suffit. Est-ce que tu préfères 2 bêtes de quête, 3 hydres ou 3 bêtes de quête, 2 hydres? Ah, je préfère 3 hydres. Ok. Sachant qu'il commence. Ouais, ça revient. Bah, surtout sachant qu'il commence, parce que déjà quand t'es sur le play, je trouve que bête de quête est un chouïa moins bien. Elle arrive après la bête de quête de ton adversaire, donc du coup elle attaque aussi moins bien les planeswalkers qui ont déjà eu le temps de plus, moins ouais. tour supplémentaire. C'est bien, tu fais méchant loup tour 3 si tu trouves un land. Enfin, en tout cas, on peut difficilement dire non à ça. On a 3 tours pour droit land, c'est quand même faisable. Ouais. Il y a toujours ta bienvenue. Et on a vu que méchant loup c'était. Oh, poup. On a vu que méchant loup c'était winning play contre lui. Non, je garde pas moi. On a déjà 2 méchants loups. En fait, t'as 2 méchants loups et une Issas. Ouais, c'est ça. Ou une rafale des terres. Et on a du mal à bleu, c'est très bien. Oh, c'était notre meilleur top deck, je crois. Si tu pouvais choisir la carte, tu aurais été un temps de mystère. Parce que tu peux pas avouer. Si on avait eu Oko, on aurait demandé Oua. Si on avait eu Oua, on aurait demandé Oko. Non, il y a un monde où tu préfères les têtes une fois. Ah, ouais. Off, mais en vrai, sur les têtes une fois, tu vas chercher temple, donc prends temple. Ah, mais tu filtres. Ouais, ça. Ça bloque. C'est ce que ton tavernier va mourir. Oh, si ça s'arrête là, c'est très bien. Hein. Oula, le jeu a un peu de mal. Je fais méchant loup, je fais hydre.
Non, je suis méchant loup parce que Collision Colossus, je trade quand Ouais, et Hydre, ça attrape des plus grosses bêtes pour le coup. même. Ouais. Ça, à terme, ça attrapera des plus grosses bêtes. On a moyen de gagner cette game du coup là. Avec la pression qu'on met. Ça dépend Si on prend ce bête qu'il de va quête, faire. c'est un chouïa relou. Bête de quête, c'est chiant, ouais. Bête de quête. Ouais. Salut. Après, ça va, hein. Pas non plus fin des haricots. On va Ouais. vite top decker une noix d'or ici. On peut aller la chercher, hein. Ouais. Je peux aussi faire phase d'attaque. S'il Ouais, bloque, je fais bête. ouais, Ouais. tu perds deux Je loups sur une bête, je préfère reprendre Non, 4. mais plutôt Hydre Vorace du coup. Genre j'attaque, s'il bloque, je finis Hydre Vorace à x égale 1. C'est worse. Je sais pas, en fait là on n'a pas trop de bons toute plays, je façon, trouve. tu peux aller chercher Wador, ne pas la trouver et quand même faire Hydro Vorace, hein. Si je calcule bien. Ouais. Ouais, c'est Donc, vrai. Effectivement. allons chercher Wador ici. Ah bah, allons chercher une forêt. Tu veux faire ton Je play du coup? pose. Ouais, je vais tenter, je bloquerai pas de toute façon. Il va devoir venir. Ouais, je mettrai 3 points. À fond les ballons. Ouais, bah ouais. Non, mais je pense qu'il peut accepter en vrai ce que tu proposes de lui faire. Ah, j'aurais peut-être pas dû land des forêts du coup. Parce que Ouais, tu lui s'il dis, ouais. bloquait pas, j'aurais mis land Tombe du Mystère. Ouais, puis tu lui annonces le tricks. Après, il peut Non, accepter. il l'avait vu. Il avait vu le. Avec. Il était une fois. Donc, Ouais. c'est pas l'information, c'est que mon play est différent. Il prend 3, il a raison. Est-ce que je fais Hydre à 2 ou pas? Je fais pas une 2-3. Non, non. Bah, elle bloquera pas bête de quête, donc. Non, là, ton tour d'après, c'est Krasis. Krasis à 4, ouais, c'est pas mal ça. C'est dur, hein, quand même. Hein. Ouais. Là, s'il fait ce Land Scargan. Très très dur. Il a fait Land déjà. Est-ce qu'il va faire Scargan? Dans ton mec. Ça nous laisse tranquille. Mais c'est dur. Oh! T'as J'ai l'interaction. Wador. Ah, il faut le faire. C'est mieux que Krasis, hein. Forêt? Bien Non, je suis pas plus. obligé. Tu fais Wador, Loup, Temple. Wador, Loup, Temple, c'est mieux. Yes. Yes. Hein. Loup? Ah, c'était une de nos seules conditions de revenir ici. Hein. Non, Oko était bien aussi. Pour 3-3 le Cromlech ou Non, la bête de ah, la ou quête. 3-3 la bête de quête. Bon, maintenant on veut gérer Cromlech. Hein. Ouais, bah du coup il faudra Oko. Le Mais Cromlech, ça quoi. dépend à quel point il pioche des créatures. Pour deux verres, je sais pas ce qu'il fait. Je crois qu'il fait Une rien. voile de l'été, ça le sauve pas. Et là, on fait Temple. Temple. Et On a tour une belle d'après, on a Krasis une derrière. belle Krasis, ouais. Ah, c'est une belle Krasis ça. Non, on veut pas. Non, j'en ai plus. C'est bon. Et je mets 3. Je sais pas, non, non, parce que là, tu peux. Qu'est-ce que je me prends? Bête de quête, Elkai. Non, peut-être que je mets 3, en fait, t'as raison. Faut probablement mettre 3 ici, ouais. Je crois qu'il a rien de célérité qui, enfin, qu'on peut bloquer facilement. Là, il peut partir en live, hein. J'espère que ça va se calmer. Yes. Écoute, est-ce qu'on serait pas un peu châteux là? Ouais, après, il nous a mis avec pas beaucoup de cartes, une grosse pression. Ouais. En vrai, regarde, tain, il avait mis juste bête de quête et tavernier. Et... Ouais. On était pas bien là. Alors, 1, 2, 3, 4, Peut 5, faire Krasis à 5. 6. Donc, je fais forêt, Krasis à 5. Ou alors tu peux la delay d'un tour pour faire une Krasis à 6 et piocher une carte de plus. Moi, je crois pas, je vais. Par contre, je te propose de faire la plus grosse hydre vorace de ta vie ce tour-ci. Maintenant? Bah, qu'est-ce que t'en penses? En fait, ça m'a amené des réponses et ça m'a évité de me prendre des trucs dégueulasses en mode tiens, je te mets une bête Ok. célérité en Amber Cleave, je meurs. Ok. Bon, bah, vas-y, Krasis à 6 alors. Et j'ai de toute façon. Krasis à 5 en landant forêt. Ouais. Pour pas Et te prendre la vacole. j'ai de toute façon l'étal. Ok. Avec la crasse. À 5, hein, tu m'as dit. Ouais. 3, 4, 5, 6, 7, ouais. Ça piétine pas, hydre vorace. Si. Si, mais ça vole. Ouais, ça t'offre à peu près le même létal si tu faisais une 10-10. Hein. Mais là, tu vois, on Allez, trouve on un a Oko. Oko, c'est pas mal. C'est bien aussi. Dès que t'as vu Oko. Non, mais en fait, c'est pas mal comme play. Non, mais je veux dire, hydre vorace, c'était vraiment considérable Ouais. ici, tu vois. Ah bah ouais. Bah nous, on joue pas de gestion noire, monsieur, donc. Ah non, j'ai pas compté qu'il gagne 4 points de vie. Du coup, suivant la bête qu'il trouve, on n'a pas l'état. Ouais, mais ça va aller quoi. Mais En on est vrai, quand même tu bien. fais Oko plus 1, ton doigt c'est une 3-3, tu rajoutes du dommage potentiel. Yes! Yes! La Yes! En plus, il est victoire! 85, il va nous redonner pas mal de rang, le monsieur.
321, on a gagné 200 places. Pas mal, cool, ça. Ça fait plaisir. On revient là où on était au début. Eh ben écoute, toujours pas de Golos, mais ça fait très plaisir. Golos a été booté hors du jeu. Voilà, je pense qu'au lieu de relancer jusqu'à trouver un Golos, le mieux c'est de se dire Golos a été booté. Ouais, Golos a été booté. Et ça fait très plaisir. Et, mais en, grâce à ces decklists là, donc cette decklist, on a vu qu'elle avait un peu de mal contre le ladder ou quoi, mais elle a servi la cause. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Et en vrai, genre là, la game qu'on fait, les sorties où il gagne, c'est en mode extrêmement champagne. Non, non, bien sûr, bien sûr. Non, mais là, contre ce deck-là, contre Grul, on est très bien, en général, parce que t'as Krasis, t'as des plays puissants. Mais je parle des decklists, tu sais, Rakdos, Mardunite, qui sont vraiment. Tu vois, c'est très très dur sans le blanc, quoi. Mais on s'en fout, il fallait booter. Et effectivement, on propose des petits modifs. Du coup, modif, pour, j'ai pas mal joué le pack. Et Bot Dédaigneuse, si vous êtes sûr de rencontrer des Golos, des Bantes, des Simic, Bot Dédaigneuse, c'est très bien. Très très bien dans ces match-up là. Pour du ladder. Par contre, pour du ladder, comme vous avez pu le voir là, bah, sur les matchs, Emprunteur Intrépide, déjà c'est un bounce et c'est très très bien, c'est une gestion supplémentaire, ce dont on manque un peu avec le pack. Bon, on n'a pas forcément besoin, mais dans les match-up qu'on a pu voir aujourd'hui, oui. Parce que là, quand il nous attaque avec Ambercleave, on fait OK, bah, je te renvoie dans ta main la bête équipée. Et lui, il fait Ah merde, j'ai attaqué pour rien. Exactement. Et ça change vraiment tout. Et ça change vraiment tout. Et la 3-1 flash, enfin les 3 points vol, pardon, ça vous permet d'aller chercher les Planeswalker, de bloquer aussi des cartes comme Scargoyle Kite, Krasis, etc. Mais surtout, vraiment de mettre une pression comme ça, tranquillou, tac, 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 tac. Et c'est très très intéressant d'avoir ça. Je vais carrément faire la modif IRL pour que les gens puissent voir un petit peu à quoi ça ressemblerait une decklist de ladder. Et je te laisse taper Vivienne pour te faire plaisir, parce que je sais que tu y tiens. Effectivement, c'est la modif que je voulais faire également. Ça me paraît être ça, une version bien plus optimisée contre le ladder, bien meilleure. Par contre, en sous side, réserve de rentrer les 3 bottes dédaigneuses dans le side. Sous réserve, donc en side, vous rentrez bien évidemment 3 bottes. Vous passez à 2 rafales d'éther du coup. 2 disputes. Je pense qu'on peut cutter les disputes carrément. Bon, pas tout le temps. En fait, les match-ups dans le ladder, c'est très rare, ouais, je trouve. Ouais, c'est vrai. Okay. Et selon moi, hein, genre vraiment ce que je ferais, ce serait enlever également la chioque. Rentrer. Des Harponner Crawl. Un agent de traîtrise. Parce que tu peux aller chercher. Est-ce que tu rempassais pour ça? Et Harponner Crawl, c'est très, très bien pour avoir des cartes à fetch sur ta Nissa, en fait. Sur ta Vivienne, pardon. Sur Vivienne. Et qu'est-ce que je voulais enlever? Une Hydre, voilà. Je voulais même enlever 2 Hydres, en vrai. Mais on a vu que c'était quand même très intéressant de les avoir, donc je vais leur laisser le bénéfice du doute. Ok, j'aime bien. Et vous pouvez du coup aller chercher... Ah, c'est bien aussi d'avoir... Qu'est-ce qu'on peut en faire? Peut-être là, on a une version qui est moins jusqu'au boutiste contre Golos, mais qui est quand même plus ouvert à jouer contre d'autres match-up, quoi. Des trucs qui bloquent bien aggro, en fait. Je donnerais vraiment voilà, ça c'est la decklist un peu pour moi optimale, parce que le Brontodonte, bah déjà vous pouvez le rentrer dans des match-up aggro, ou sinon vous pouvez aller chercher s'il y a un anti-artefact enchantement avec Vivienne, donc sympa. J'aime bien, je préfère en tout cas, ouais. Et si jamais vous sentez que vous pouvez peut-être cutter Nissa, rentrer une Vivienne. J'aime bien aussi. C'est quand même très intéressant. Moi je jouais la decklist à la base avec que 3 Nissa et une Hydrovoras main deck. Mais là, Vivienne est en fait, c'est la même chose qu'Hydrovoras potentiellement. Ouais, à peu près, ouais. Sauf que vous avez besoin d'une créature, bref. J'aime bien. Si je devais jouer ça en ladder, je jouerais aussi comme ça. Ouais. Donc voilà, c'est terminé pour cette deck tech très intéressante. Ouais, grave. Parce qu'on peut voir les améliorations et on voit qu'un deck de tournoi n'est pas forcément un deck de ladder. Donc ceux qui disent senti. Oh, il faut que net decké, bah, pas forcément. Parce que là, typiquement, sur les games qu'on a faites, bon, on en a gagné une, hein, mais si on veut la meilleure version du pec, la meilleure version du deck, c'est pas forcément la version de tournoi, parce que si vous comptez pas faire de tournoi justement avec, mais du ladder, bah, il vaut mieux adapter la version au ladder, justement. Bien sûr. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commentaire, partage, abonnement comme d'habitude. Nos réseaux sociaux en description, Twitter, Facebook et Discord. Si vous voulez nous voir en live, c'est sur Twitch que ça se passe. ValPL Magic Arena FR, le lien d'inscription. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie.